Allez, dis bonjour à Inaya. On vient de se lever et on dit bonjour. Bonjour, est-ce que tu as bien dormi? On va lui dire bonjour à Inaya. On va dire bonjour à Inaya. On va dire bonjour à Inaya. Bonjour Inaya. On va lui dire bonjour. On se lève le matin. On dit bonjour Inaya. On se lève le matin. Tu dis bonjour Inaya. On se lève le matin. Dis bonjour Inaya. On se lève le matin. On dit bonjour Inaya. Bonjour. Est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Oui. Hein, si tout le monde pouvait dire bonjour comme ça avec un grand sourire. À sa chérie, à son chéri, à tous ses enfants. Plutôt que se tirer la gueule et d'avoir le téléphone devant les yeux en moment de se lever et de calculer personne, c'est tellement dommage. Moi, tu vois, voilà, j'ai ce type de bonjour tous les jours, tous les jours. Tu ne peux pas tirer la gueule, ce n'est pas possible. Et ça te le rend 10 fois mieux, quoi. Inaya, on va lui dire de l'eau. Inaya, on va lui dire de l'eau. On va la faire ressortir, prendre le déjeuner. Et on va prendre le petit déjeuner. Et on va prendre le petit déjeuner. Déjeuner. Et tu as bien dormi, Inaya, bien dormi. Inaya, bien dormi, bien dormi. Tu veux aller dehors, on va boire de l'eau. Tu veux aller dehors, on va aller prendre de l'eau. Hein? On va aller prendre de l'eau. On va aller prendre de l'eau. On va. Inaya, bonjour. Oh, bonjour, Inaya. Elle est revenue. Elle est revenue. Voilà, donc moi, tu vois, quand tu dors, quand je dors, le chien, il est comme ça. Comme ça, il n'y a pas de problème et le chien comprend. Tu n'as pas allé dans la maison, tu n'as pas allé sur le canapé. C'est de la dominance. Hein. Sinon, tu le laisses ouvert à la dominante. Bonjour Inaya, on dit bonjour Inaya. Tu veux aller dehors, aller prendre de l'eau? Tu veux aller dehors? Il est revenu. On dit bonjour à tous les abonnés. Bonjour Inaya, bonjour Inaya. Bonjour Inaya, bonjour, bonjour Inaya. Donc salut à tous, c'est Tico. Oh, tu l'auras deviné, hein. Voilà comment on se dit bonjour le matin avec un husky, tu vois. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors perso, j'ai connu des femmes qui tirent la gueule à 4 km. Bonjour, bonjour. T'as le téléphone à la main. J'ai pas envie de parler, mais j'ai envie de regarder mes trucs sur mon téléphone. Mon téléphone portable, les infos, tout ce qui se passe, le négatif et machin. Plutôt que d'avoir la joie, voilà, tu vois. Respirer le bon air sans avoir les écrans devant les yeux. Hein. Moi, je suis très content de rien avoir, rien, aucun réseau social, tu vois. Je n'ai rien, 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 rien. C'est simple, tu vois. Voilà, et c'est beaucoup mieux. En tout cas, là-dedans, il marche mieux. Ça fait plaisir, hein. Tu vois, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce type de comportement. Ah, perso, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, un peu pareil, quoi. Genre, t'as le sourire, tu dis bonjour, tu tires pas la gueule, on se déjeune. Si, si, j'en connais. Ils se reconnaîtront, mais bon, ce sont des personnes qui sont casées. Mais en tout cas, j'en connais. Mais en tout cas, en soi, d'avoir une amoureuse comme ça, je ne connais personne. Voilà, donc... Je voulais te montrer ça, tout simplement. Je sais pas comment tu accueilles ton chien le matin, mais moi, c'est comme ça tous les matins. Et le soir, dis bonne nuit aussi. Allez, grosse bise, hein, c'était Septico. On se dit à tous pour de prochaines vidéos. Et oublie pas, aime tes animaux. Grosse bise, bye!